Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour le 22e live sur Lies of P. On est probablement à la conclusion du jeu. J'imagine qu'il ne reste plus que le chef des alchimistes à affronter, alias Simon. C'est pas par là. Je sais que tout ça on l'a fait hier, mais je m'inspecte pour savoir si on n'a pas raté quelque chose. Quelque chose que j'ai jamais utilisé. Poussière de chat. Ah ouais. Mais il y en a qui ont un sens aiguisé qui nous voient. Donc ouais. Je sais pas si elle va nous détecter. Dans le doute, on va éviter. Et merde. Bon bah voilà. Première mort bête. C'est le cas. Je suis bloqué, magnifique.
Viens derrière, ce que je pourrais faire. Ah, elle fait mal la surchauffe, hein. Attention de pas tomber comme hier. Galère avec cette arme, en tout cas je pense qu'il me manque un tout petit peu d'allonge avec cette arme pour la rendre vraiment vraiment extrêmement intéressante. De le combattre là-dessus. C'est un peu la merde là pour le combattre.
Ah, c'est ici qu'on allait trouver Gepetto. Alors, s'il a quelque chose de plus à nous dire. Bon, dans ces cellules, ils lui ont mis des caisses, hein, ce qui est tout à fait cohérent. Put an end to it all. Ça. Ok. Je dis rien de plus. Ah ok, d'accord, ça y est, on commence à comprendre. Dans des bruits un peu bizarres, on doit avoir des adversaires pas loin. Ça devrait me ramener au Stargazer, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà récupéré... et les fruits à l'arbre. Bon là on devrait plus être très loin du boss de fin, j'espère. Je l'espère. On avait ouvert une porte du côté des cellules. Ah, ils nous font marcher, hein.
Ah bah, il y avait un autre point ici. C'est bien la peine d'avoir ouvert le raccourci. Je dois pas avoir beaucoup de consommables, je pense. Déjà, s'il résiste aux effets électriques, c'est mort. Ok. Ouais. Oulala, faut pas faire des sauts en arrière comme ça. Là. Non, les gâchettes, elles sont trop sensibles. Oh, je sens que je vais me croûter. Deux voix, toi. Ah, bullet de 500. Augmente l'attaque critique. Oh, ça a l'air d'être trop bien, mais on n'a jamais quantifié. C'est ça le problème, en fait, dans le jeu, sur les amulettes. On a aucune quantification. Augmente l'attaque critique, c'est bien, mais de combien? Toi, je te sens pas du tout, toi. Bien, ça c'est pour tout ce que ton pote m'a mis lors de 2-3 combats. Merde. Il vient d'où lui? Pote est mort, j'imagine. Il y en a un autre derrière des caisses. Merde. Alors ça c'est génial ça. On a un couloir étroit comme ça avec un cracheur de flammes. Kamikaze en plus. Je sens que tu vas avoir un peu plus. Oh purée, je l'ai dit en plus. J'ai commencé à le dire. Oh là 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 là, mais quel péon. Je pensais pas qu'il allait m'attaquer aussi vite. Ah non. Je suis nul. Ça va, 5000 d'XP. Mais faites, franchement, faites. Ah, c'est pourri. T'es pas content? Bah ouais, bah moi aussi. Tiens, mange. Ça te calmera.
calme. Mais c'est pas vrai, mais c'est pourri. La caméra permet pas de voir l'action et en plus là le moindre mur vous empêche de faire quoi que ce soit. Mais pas l'adversaire forcément. On évite de tomber comme un péon. Saleté, la crame. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ça va être intéressant. Mais c'est pas quantifié là encore. C'est un vrai problème dans le jeu. Il y a plein d'éléments de stats qui sont pas quantifiés. Bon, ça sera utile en combat contre un boss. Si je veux le quantifier, il faut que je fasse le test en fait. Je l'équipe et que je compare. Elle va exploser pendant ta chute. Ah, t'as un compagnon. Allez. Hop. Walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. Pu être très loin là. Mais peut-être pas au final. Mais zut, bah ouais, non mais c'est, non mais j'ai crevé là, c'est abusé. Petit écrasement au sol. Thank you.
Mais cette blague. Oh là 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 là. C'est pas possible. Le machin, il fait des nuages qui sont mortels. Et à force de reculer pour les éviter, on finit par tomber dans le vide. Salut Nico, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Ah, t'as vu la chute? Ouais, non mais franchement, quand je pouvais savoir qu'il y avait des trous là-dedans. Ouais, c'est même pas des trous. Hein. Le prochain jeu qu'on fera après Lies of P, ça sera très certainement Lord of Fallen. T'as le trailer du jeu sur le Discord dans le salon viewer. On peut les éviter ces projectiles. Et la charge. Petit écrasement. Ok. Il va me défoncer. Ok, si on fait un blackage parfait, ça fait pas des nuages de poison ce machin. Intéressant. Faut dormir, s'abuser. Ok. Ah là 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 là. Ça te parle, Lord of Fallen, Nico? Il va être galère à affronter, lui. Normalement, vous avez des trash mobs qui sont plus compliqués que les boss. On va faire autrement. On va prendre un peu plus d'endu. Ah là, faut bouger, ok. Pourtant, j'ai mis en garde, hein. Je me suis mis en garde, c'est pas grave. Pas trop reculer là, on va tomber. J'avais encore un peu de marge. Et merde.
Voilà. Puis lui, il va pas en pop vu qu'il nous a donné un quartz. On voit rien, mais la caméra, c'est un cauchemar. Ah, il nous a donné un truc génial. Ah, il nous a donné plus mieux que de l'XP. Je pense arriver au boss et c'est pas encore fini. Ah ah ah, pour une fois que la collision est en ma faveur. Ah, c'est génial. Un piège à la con. Ah, tu joues à quoi en ce moment, Nico? Ça va être la ville de Krat en face. Et là, on va arriver sur le boss. Ok. Y a peut-être moyen de prendre un niveau. Voilà. Et on va retourner à l'hôtel, consommer le quartz. Demon's Souls ? La vieille version ou le remaster ? PS3 ou PS5? En fait, c'est ça la question. Et ça te plaît? T'avais joué au tout premier ou non? Donc voilà, quand je te disais c'est mieux que de l'XP ce qu'il nous a donné, un fragment de quartz, ça nous permet de débloquer des passifs. Elle joue dans placement bras de Légion, je m'en fous. Ouais, ça peut être bien. Attaque de coup de grâce renforcé, pourquoi pas. Allez.
Je sais pas si t'avais entendu, hein. Sur le Discord, dans le salon viewer, il y a le trailer de Lords of Fallen. Et on y jouera normalement à partir du 13 octobre. Ça semble être très très prometteur. Stalker. Et si tu veux découvrir ce jeu, hein, Lies of P, t'as toutes les lives sur la chaîne YouTube, ainsi que les combats de boss. Donc c'est dans l'univers de Pinocchio, on incarne Pinocchio, qui est devenu un humain. Il y a eu un âge d'or où des gens de talent avaient créé des marionnettes qui étaient presque vivantes, qui servaient les humains. Et les marionnettes sont devenues folles et ont massacré les humains dans la cité de Krat. Et en plus, il y a une maladie qui atteint les humains, qui s'appelle la pétrification. Bon, ben là, c'est combat de boss, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'ignore ce qui va se passer. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Show me everything you have. Je sens bien qu'il va faire des dégâts électriques. S'il est facile comme ça, ça veut dire qu'il y a au moins une P2. Tu le connais pas? Tu le connais pas, le monsieur? C'est ton futur voisin? Mal.
Ça sent la paix de la planète où il va perdre son morceau de tissu là. Il va être en mode hyper badass. De toute façon, on nous a annoncé qu'il allait se transformer en dieu. Bon, allez, on va essayer de passer la P1. Enfin, j'imagine qu'il y a une P2. Oh, là, par contre, je joue mal. Pas ce qu'il fallait faire. Je pense que j'ai pas la bonne arme. Ouais, la caméra est trop prête, on n'arrive pas à voir ce qu'il fait. Un peu dommage. Au centre de l'arène. Et on va affronter un Hulk. Ouais, voilà. Oh, t'es moche. Witness me as I grasp the power of a true god. Ouais, c'est maintenant que le vrai combat commence. Ok.
La caméra est trop prête, on n'arrive pas à voir les coups de massue de haut en bas. Là. Ok, tu t'actives quand tu veux pour réparer. Auto. Merde, je l'ai pas vu venir. Ça, si c'est pas une exécution. Ah, il m'a lâché. Ok, donc il y a une phase où faut esquiver. D'accord. Oh, je sens que ça va être marrant. Je sens la phase de tryhard qui arrive. Alors, comment tu le trouves, ce boss, Nico? À côté de Lies of P, hein, Demon's Souls, c'est le mode touriste. Bac à sable dans quel sens, je comprends pas. On répare. Mais full vie. Voilà.
Mais merde, je l'ai pas vu venir. Vendu, ça pue. Ok, ça y est, je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Quand il attaque avec sa partie droite, il fait des attaques de disruption qu'il faut à tout prix éviter. Parce que la disruption, si j'ai, je suis full. Je suis full debuff disruption, je suis mort. Ouais, c'est bourrin là, ce que je viens de faire. Merde, je l'ai pas vu venir. Oh là là, il va me finir. Pour réparer. Pas terrible ce que je fais là. Pour réparer. Faut esquiver. Sans moyen là. Je l'ai pas vu venir. Oh, c'est bon hein, ce que je fais. Non, je fais des conneries. J'ai pas eu le temps. T'en as entendu un peu parler de Lies of P ou tu découvres? D'accord.
Purée, mais c'est quoi cette allonge de malade? Oh dommage, à une fraction de seconde près, c'était bon. Oh, c'est volé ça. Mal joué. Merci les plans de caméra pourris. Purée, mais j'ai appuyé pour me soigner. Bon sang. Sérieux quoi. Oh je la compte pas là. Ah non, moi je la compte pas la mort là, je suis dégoûté. Non. Les plans de caméra pourris, t'appuies pour te soigner, il se passe rien. T'appuies pour bloquer, il se passe rien. Tu rappuies pour te soigner, t'as une latence, faut pas déconner. Non mais oh. Ouais, je veux bien qu'il y ait de la difficulté, mais c'est quoi ces contrôles de merde là? Mais c'est dingue en fait, j'ai l'impression que tous ces jeux là, type Dark Souls, ils ont plus ou moins le même moteur et ils ont tous les mêmes défauts. Bah t'as pas remarqué, 1, les hitbox qui sont mal calibrés, 2, les caméras qui sont en PLS à partir du moment que t'as un adversaire qui commence à bouger trop vite ou qui commence à aller un peu trop en hauteur, de même, les adversaires qui sont trop grands, bah ils adaptent pas le plan de caméra. Troisième aspect, de temps en temps t'as des contrôles, là, hop, t'appuies, puis il se passe rien. Ah, c'est parti dans la nature, comme si t'avais rien fait. Reviens. Je vais prendre quelque chose à boire.
Allez, on reprend. Il porte pas d'armure. Je pense que l'acide, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour lui. On va passer en dégâts de feu sur les geysers. Bah, tu vends toujours pas de consommables pour les combats, j'imagine. Ouais, non, pas de consommables offensifs en tout cas. Oh là 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 là. Arrête de nous raconter ta vie. Voilà. Hop, en feu. Demon's Souls, c'est ta première run, tu découvres. C'est un jeu que tu refais. Depuis le début ou en New Game Plus? Show me everything you have. Open up your mento. Non, j'ai pas le droit de faire des heures comme ça. Faut arrêter de déconner. Découvre. Allez, on s'entraîne pour le tomber. Tu vois là, par exemple, des plans comme ça, la caméra, elle est naze. J'essaye d'esquiver du côté de son bras armé, ça devrait être plus facile aussi. Je le vois arriver, c'est pas bon. Oh, la même erreur, faut que j'arrête de faire ces conneries là. Mais d'où tu le touches pas? T'es au cac, bordel. Ah si si, il le touche. Mais ça lui fait rien. Ah, ça lui fait rien. Ah, c'est bien. Bien bloqué.
réparer très très vite. Le buff. Bah, super. Voilà, le plan de caméra pourri comme je vous avais dit. Non, je pense qu'il est peut-être pas si dur que ça. Honnêtement, en jouant comme ça, en le mettant à 50%, voire même 45%, il y a moyen de le tomber. Hein. Il m'a l'air d'être bien plus facile que le boss précédent, qui lui était vraiment, vraiment compliqué. Allez. On essaye de faire ça un peu plus sérieusement. Blablabla, arrête de faire ton malin. On va te défoncer. Très bien. Merde, à chaque fois c'est la même erreur.
even in cities coming. It will approve, not die. Encore le même coup. Là, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Non, mais c'est pas vrai. J'arrive pas à l'anticiper, cette attaque. Au milieu, saleté.
Pas bon ça, pas bon. Oh là là, ça va être la punition là si je me barre pas. So I tried to use this hour to hold her, even if these hands never could. It's fine if I'm gone. But be warned. Watch out for Geppetto. Him? He really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human? Now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again.
By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Give me your heart, son. Yes. You are a good boy till the very end. I believed in you. You are the greatest puppet I ever made. We can be happy now, thanks to you. Thank you. You are such a good boy. This finally feels like family. Thank you for returning, Carlo. Is this truly the future you wanted? I have a final report on the Krod experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing, and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy.
Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. I see they got Jiminy. My name is Jiminy. Please escort him to the hotel. Let's get you out of there. Find something that might help.
as we gather at the start. Thank you.
and that's the only way in. So please, be careful. Hello there. Welcome. I didn't think you didn't hear. You ought to be out here alone.
one more thing I should mention. The hotel's security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet, after all. Sophia, you must have... He was last... Please find... Look at Gemini. That's proof. I'm no... Wait. Krot is... Be careful. Welcome. My name... Please let at hotel... Welcome. The Grand Cup... First... Second... Third law... Fourth... I've told you... Welcome.
perfect. No. It's a shame. It doesn't hurt. It can. He's fine. I heard about you too. You must be. Oh, I know my way. Any of you. I know my way around a way. Stargate. I know my way. If you want to test, I know my way around. Alors, un vieux morceau de papier, on a 35 en vitalité. Vigueur 30. Capacité 40. Mobilité. Technique 5. Progression 37. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les points. Donc, on va transférer des points de mobilité à technique. Et si je me trompe pas, la faux, elle est orientée technique. Oui. Et puis il y a le katana aussi qui est orienté technique. Montre-moi
Très bien. Donc du coup, faut enquêter, c'est ça? Réinitialiser le niveau, ok. Donc vitalité 35. Au moins c'est bien fait, hein, parce que des fois il y a des jeux où faut mettre un point par un. 35, vigueur 30. Capacité, on va mettre 40. On a une bonne marge de manœuvre. Progression 37. Et en technique. On met tous les points qui restent en technique. On est qu'à 29. Et là, on va pouvoir prendre la fameuse faux. Fait combien de dégâts? Ok. Y a un truc qui me plaît pas, c'est le... C'est le bras là. On va le changer. C'est bien fait leur truc de musique quand même là dans le jeu. Ça donne quoi? Ouais, ça me plaît bien. On va tester comme ça. Statues, elles font bizarre, elles font presque un peu plastique, elles font pas assez marbrées, enfin je sais pas. Pas l'impression que c'est de la pierre. Et Geppetto, est-ce qu'il est là, Geppetto? Je sais pas si au début il est là. Pas pour tout de suite. On peut peut-être passer un niveau avec tout ce qu'on a. Je sais pas. Ah non. Alors si on compare, bah là on fait moins de dégâts forcément. Safe.
Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago, before the puppet frenzy. Ah, il est en plus un, donc il est peut-être mieux. Et non, il est pas mieux. Il faudra peut-être remettre des points en capacité. Ouais. Quand même beaucoup plus vif là. Et on a ouvert le passage qui nous ramène au tout début. Mais non. Ah ok, d'accord. Salut Franck, salut salut. Comment vas-tu Franck? Est-ce que tu passes un bon dimanche? Ah c'est là le début je pense.
Ouais, c'est ça. Pas trop chaud par chez toi ? On a vaincu le dernier boss et là on est en début de New Game Plus. J'ai changé le build, on n'est plus en force, on est en dextérité. Et très franchement là le boss de fin était... J'ai eu moins de difficultés que la femme zombie en armure qu'on a affronté hier. Ça me paraît plus vif à la faux, qu'est-ce que t'en penses ? Why, hello. I know what Don't worry. For your information. Tiens, mon 9000, c'est abusé. Si c'est la même, c'est pas intéressant. Ok, on peut l'accumuler peut-être. Heureusement que je suis en garde. Parce que ça serait sinon... Quelque chose que j'avais pas récupéré ici.
puis le fait qu'on soit en New Game Plus, ça doit aider aussi un petit peu, au moins au début, je pense. J'ai un mal fou contre eux, c'est dingue. Check it out. I can take point. Bonne portée aussi, hein, en attaque chargée. Tu me gaves. He's a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. If only we could play together like we used to, Murphy. If only we could, Murphy.
Non, on va garder ce qu'on a. I'm Jiminy. J'ai récupéré l'XP parce que je crois qu'un petit peu plus loin, une sorte de mini-boss. Oulala, pas bon ça. J'ai l'impression que les armes que l'on loot, elles sont pas meilleures. On va comparer ça, mais... je crois qu'ils sont exactement les mêmes. Ils sont les mêmes stats. Oh. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here.
said it was for my own good, but it was heartless, just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Thank you so much. Before I lose my sight. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? Oh, I hope everybody's safe. N'oublie pas d'ouvrir le passage. Ça me revient. For your information. Okay. For your end. Ouais, c'est plus nerveux hein, à la fois. Together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Cursed puppet! Back again!
Dommage. Je l'ai raté. J'ai du mal. Ah, enfin. I demanded the truth. Now I feel bad for my comrade. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. I want to hear all about your experiences, but now isn't a good time. Use the Stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Croc when you're done. So about that weapon assembly tool, you find any... Est-ce qu'on a accès à sa pièce ? Non. Non, faut vaincre le boss avant. Dommage. Ok, bon. Allons-y.
Tu te souviens du prochain boss, Franck? Je pensais pas être dans le champ des arcs électriques là. Ouais. Je voulais faire quelque chose à peu près similaire avec le chien. Non, on l'a déjà vaincu, le maître du défilé. Si je te dis Robocop, ça te parle ? Survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? She's a salaud. Donc au lieu de lui ramener son bébé, on va lui donner une marionnette. Oh, c'est infâme. Thank you.
contre les ramoneurs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et il a tiré avec une arme à feu alors qu'il a pas d'arme à feu en main. Accept my heartfelt gratitude. Ah bah voilà, un disque. Un disque qu'on avait raté. En même temps, fallait savoir que les silhouettes aux fenêtres sont des PNJ. Ils ont imité Sekiro. Forcément, ça fait des réductions de coûts en termes de modélisation de personnages, mais pour ce qui est de l'immersion, c'est moyen. Allez, on va aller saluer Robocop. Level up. Ouais, si.
Chamber Cop. On va l'appeler comme ça. Ça va être un peu plus dur que ce que je pensais. Et on arrête là pour ce live. On a quand même fini le premier run. On a battu plusieurs boss. Tout à l'heure, on essaiera de vaincre directement le veilleur.